Dans le camp des sinistrés de Guirvilik, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, Mahamat est encore sous le choc. Il a tout perdu, maison, champs et bétail, à la suite de graves inondations qui ont frappé toute la région du nord du pays il y a 3 mois. Je suis retrouvé avec ma femme, mes enfants, et mon père avec ses 3 femmes. Nous sommes tous ici. En décembre dernier, les autorités ont permis à de nombreux sinistrés de rentrer chez eux suite à la baisse des eaux. Mais ces sinistrés, en majorité agriculteurs, n'en peuvent plus de rester dans des camps. Ici à Nassareo, 300 hectares de terrain seront remis aux sinistrés. La commission de conseil d'évaluation va se déployer au cas où des gens ont des droits fonciers, au cas où des gens ont des mises en valeur, pour qu'on puisse plus censé afin qu'ils soient indemnisés et que le gouvernement puisse prendre possession du terrain en bonne et due forme. Et après ça, un titre foncier va être établi au nom de l'État et va être loti. Et maintenant, des lots vont être distribués aux sinistrés dans le titre foncier de l'État. Pour limiter les dégâts et mieux faire face à d'éventuelles calamités naturelles, le chef de l'État a créé un fonds de solidarité et une somme de 2 milliards de francs CFA a été récemment débloquée. Il n'existait pas que de fonds pour gérer les crises chez nous, aussi bien que quand il y a cette crise comme fut le cas, c'est à ce moment qu'on donne le compte rendu de la situation au ministre en charge de l'AT, la hiérarchie, et c'est à ce moment qu'on commence à voir ce qu'il y a lieu de faire, les besoins, comment intervenir, ainsi de suite. De fortes pluies avaient entraîné de graves inondations avec une dizaine de morts et plus de 200 000 sinistrés. Une catastrophe naturelle que le Cameroun n'avait pas connue depuis plus de 20 ans.